Je m'appelle Farah Slema, j'espère que vous allez bien. On commence. Qu'est-ce que l'Internet des objets? C'est une bonne question. Imaginez des objets qui se mettent à communiquer entre eux. Étrange, non? Eh bien, c'est ça l'Internet des objets. L'Internet des objets. Quand votre téléphone parle avec votre réfrigérateur ou que votre voiture communique avec les parkings pour vous dire où il y a une place, on considère que l'Internet des objets. Et la troisième évolution de l'Internet, c'est ce qu'on appelle le Web 2.0. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Tu adores les légumes, mais tu as une mémoire de petits pois. Heureusement, ton réfrigérateur est là pour t'aider. Lorsque tu passes devant un supermarché, ton frigo envoie un SMS à ton smartphone pour te rappeler que tu n'as pas un stock de légumes. Enfin, au cours de l'Internet des objets se trouve la capacité de l'objet à s'interconnecter et à interagir avec son environnement physique. Il regroupe donc les objets connectés directement à l'Internet, les smart connected devices tels que les tablettes, les smartphones. Elles fonctionnent principalement avec des capteurs et objets connectés placés dans ou sur des infrastructures physiques. Merci beaucoup et à la prochaine.